Bonjour à tous et à toutes, ici JustDTN. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Factorio. On va continuer ce qu'on faisait au dernier épisode. Donc voilà, faire des petites améliorations partout à la base. Voilà, nettoyer quelques petits trucs. Par exemple, celle-ci, on n'en a plus besoin. Voilà, des défenses en plein milieu de la base, c'est pas nécessaire. Ces petits coffres ici, on va virer. Voilà, virez-moi tout ça, j'en veux plus. Voilà, c'est sûr que ça fait pas mal de balles à mettre dans mon inventaire. Ce qui est pas très gentil en tant que tel. Parce que je peux pas m'en débarrasser de tout ça. Voilà, ça je peux, mais ça a quand même beaucoup de matériaux. Sinon, puissance des robots de combat. Pourquoi pas? Voilà, ici il nous reste un petit peu de matériaux. Sans le virer encore, c'est beaucoup trop. Voilà, ils vont me le virer tranquillement, ça fait plaisir. Nettoyer un petit peu par-ci par-là. C'est ici pour finir, je vais les laisser ici parce qu'on les utilise, je pense, ici. Voilà. Donc ceux-là, je vais les laisser là, c'est pas très grave. Ça, on vire. Ça c'est mieux, ça c'est mieux. Ça, c'est complètement inutile. Ça aussi. Et voilà, ça c'est utile par contre. Ça, on n'en a pas besoin. Les batteries, c'est correct. Quoique je n'ai pas besoin d'autant. Ça, inutile aussi. Et voilà, ça c'est un petit peu mieux. J'ai presque plus d'outils de réparation. Par contre, on va s'en faire d'autres. Voilà. Un petit peu plus peut-être. Voilà, ça c'est mieux. Et on va pouvoir commencer donc à travailler sur se faire des objets plus utiles si on veut. Donc se fabriquer des lumières automatiquement, des tapis, non ça on les a déjà. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire, les lumières, les... comment ça s'appelle? Les poteaux électriques, voilà. Tous ces petits trucs, il va falloir les fabriquer. Autant se mettre des petites usines. Voilà, j'étais pas sûr si je voulais le faire au dernier épisode. Donc, on va se faire ça. Ça sera pratique. Donc voilà, je pense que je vais utiliser ça ici. Quoique là, c'est pour quelque chose déjà. Alors ça marche pas. Non, virez-moi ça. Et on va donc faire ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Ça j'en ai plus besoin. Juste récupérer. Là il y a un petit problème avec ce design, c'est qu'il manque au milieu ça ici. Voilà, pollution cleaning module, ça il va bientôt falloir les faire. On pourrait même aller en bas pour commencer à les préparer. Des charges électriques de défense, pourquoi pas. Voilà, donc c'est un module et une petite ampoule. Et maintenant je peux prendre ça ici, copier et en faire un petit motif. Alors, je vais supprimer celui-là pour le faire de façon plus jolie. Voilà. Alors ça ici, où est-ce qu'on le met? Pourquoi pas ici? Ouais, juste ici. Voilà, si j'en mets un là, ça en met un là. Ça c'est bon. Ok, parfait. Alors s'ils sont un petit peu rapprochés en tant que tel avec les poteaux, alors si à cette... Voilà, comme ça c'est un peu mieux. Alors disons ici, je peux dire, fais-moi des ampoules. Voilà. Ici, je peux dire, fais-moi des poteaux électriques moyens. Alors oui, je pourrais lui dire d'en faire des plus haut niveau, mais en tant que tel, c'est ce que j'utilise. Alors voilà. Sinon, je peux lui dire de faire quoi d'autre? Air compressé, bof. Laser rifle, pourquoi pas, amuse-toi. Ce que je peux dire, poste électrique, ça j'aimerais bien avoir les plus gros, mais on n'a pas de nitinol ou quoi que ce soit encore. Donc on peut laisser faire. Sinon, qu'est-ce qui serait bien à avoir? J'aimerais bien pouvoir me faire ces robots ports niveau 4, mais je peux pas encore. Voilà, pour l'instant, je pense que c'est tout. Pour l'instant, je pense que c'est tout ce qu'on va demander. Voilà, c'est des petites productions bien agréable à avoir toujours. Et voilà, ça c'est bon. Et ce que je pense à l'instant, c'est que je pourrais toujours, à la place de toujours les fabriquer sur moi, me demander ça ici et avoir, disons, j'en veux 100 sur moi tout le temps. Pareil, les ampoules, maintenant que j'en produis, j'en veux tout le temps 50 sur moi quoi qu'il arrive. Et poteau électrique, voilà, tu m'en apportes aussi tout le temps. Tu m'en apportes tout le temps au moins 50. Pareil pour les grands poteaux électriques. Voilà, donc ça sera mieux. Alors les kits de réparation, on les fait déjà quelque part là-bas. Voilà. Je les vois pas, mais je le sais qu'on les fait. Voilà. Donc ça c'est bon. Sinon, ça voilà, ça c'est parti, ça fait plaisir. Je pense qu'on peut
se décaler un petit peu pour aller voir et commencer à faire les trucs des nettoyages d'air. Voilà, tous les modules qu'on n'a pas encore. Voilà, pollution cleaning et pollution producing circuit. Ouais, ça serait plutôt bien qu'on ait ça. Ce qui veut peut-être dire que ça, je devrais le décaler. Ouais, sûrement, hein, puisque au final, on risque d'en avoir plus. Si j'avais tout ça pour ça, ça je pourrais le faire une ligne en montant, ça pourrait être une ligne aussi. Ouais, moi pourquoi pas. Ce qui veut dire que ça ici, tac, ça serait comme ça à la place. Alors on va prendre ça, on va enlever ça et on va faire plutôt ça comme ça. Non, mauvais sens, absolument le mauvais sens. Donc on recommence, on met ça comme ça, voilà, comme ça on peut en passer trois autres au dessus, mais là on va faire voilà. On va faire ça, on va faire ça, voilà, et voilà, ça c'est mieux. Donc ici c'est de toute façon des modules de base. La production électrique va bien, même si elle est bizarre en tant qu'elle. Voilà, donc ça c'est bon. Ça marchera mieux. Et ce qu'on veut faire, c'est ça ici. Donc ce que je vais faire aussi, c'est que je vais prendre ça comme ça, je vais encercler ça, voilà, et ça je vais vouloir le placer comme ça. Ouais, c'est pas la meilleure position, mais sinon je pourrais le placer comme ça et un autre par dessus. Ouais, pas sûr, ça devrait être collé comme ça. Je suis pas convaincu, à part si je vire un robot port ici, voilà. Si on essaye ça comme ça, essayer de faire une belle forme. C'est un petit peu serré, mais ça marcherait. Voilà, ça donnerait ça ici et ça ici avec, bien entendu, en enlevant ces deux-là. Voilà. Par contre, ça marche pas trop. Voilà, on va enlever cela pour l'instant. Ici, voilà, ça demande que des produits de base, donc c'est bon. Je peux placer ces trois là. Non. Voilà. Donc ça marche. Et maintenant, ce qu'il me faut, c'est faire décaler. C'est ici, voilà, on peut supprimer cette partie. Voilà. Et ça va marcher. Ok, donc ça c'est parfait. Un canon pour une petite amélioration pour le tank, pourquoi pas. Après tout. Et ici je remarque que je ne demande plus mes 50 50 voilà, assembling machine niveau 5 que je veux d'ailleurs, bien important. Et je vais voir, ça on en a plus besoin, ça on en a plus besoin. Bon, théoriquement on en aurait besoin, mais c'est pas grave, on peut en faire une autre fois. Et ce que je vais faire, c'est que je vais copier tout ça, voilà, je vais placer ça, tout ça ici, voilà, et je vais juste aller ici, hop, et faire tac 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 tac, voilà. Produisez-en pas s'il vous plaît, produisez-en pas, ça c'est bon. J'ai pas l'impression qu'on en est nulle part, et de toute façon ça demande que des matériaux de base, donc ça c'est bon. Voilà, les derniers stocks arrivent. Et ce qu'on va vouloir faire ici, c'est que pour l'instant on produit les speed circuits de base vraiment, et maintenant on va faire pollution cleaning par exemple ici, voilà. Et ici on va faire des pollution producing pour limiter la production de pollution. Alors je pense que c'est les seuls qu'on a à faire pour ça, voilà. Donc ça c'est parti, on va les produire à fond et ensuite on pourra vraiment partir sur des meilleures productions. Alors ça sera bien. Donc voilà, encore petite amélioration des circuits, plein de canons, on s'en fout un peu, on va y changer tout de suite. Voilà, on va faire ça, ça devrait prendre 2 secondes à faire comme recherche. On se fait attaquer quoi là? Des objets. Manque de matériaux pour être construit. Allons voir ça. Là il n'y a pas de tank, alors on n'a pas à s'inquiéter, mais je vais passer ici. Hop. Voilà. Hop. Bon, je suis trop tourné. Et qu'est-ce qu'on s'est fait attaquer ici? Ok. Ça c'est pas génial. Ok, manquer tout simplement de matériaux pour reconstruire le radar. On va s'en faire quelques-uns ici. Voilà, ça c'est bon. Et ils disent deux. Voilà, on s'en est fait détruire un deuxième ici avant qu'ils finissent par se diriger, à mon avis, tout simplement vers notre camp.
pas, petit rocher, tu déranges un peu, on va te le dire. Voilà, ça c'est mieux. Donc ça parfait, bon c'est un petit peu dommage qu'on se les fasse détruire bêtement comme ça. Mais peut-être que je devrais juste repousser un peu les murs, voilà, ça serait mieux. C'est juste parce que je voulais avoir quelques radars sur la route, je sais plus trop pourquoi. Surtout qu'ils attaquent, voilà, ils attaquent les radars, mais ils attaquent pas les roboports à côté. Tant mieux, voilà. Ici on a déjà vidé une belle partie du stock. Ici ça a l'air d'aller encore. On a énormément de matériaux de ce côté là. D'ailleurs ce que j'ai oublié de voir c'est au dernier épisode, c'est voilà. Alors en fait c'est ça que je veux. C'est combien de modules de productivité est-ce qu'on avait. Et ça, ça a l'air de répondre un peu à ma question. On en a quelques-uns, mais pas une tonne. Voilà, c'est mieux. Hop. Voilà, c'est tout ce qu'on avait, tant pis. Peut-être que depuis ils en ont fait plus, mais ça m'étonnerait énormément. Voilà, hein, 37, pas si pire, 21, 29, ça monte tranquillement, pas super rapidement parce que j'ai l'impression qu'on manque de matériaux. La productivity, processeur board, on commence à manquer de matériaux pour ça. Alors la vraie question c'est pourquoi. À mon avis, ce que je peux faire pour régler le problème, c'est qu'ils n'ont pas de module, donc ils sont un petit peu à la bourre. Voilà, ça, ça devrait bien aider. Ça aussi d'ailleurs, mettre des niveaux 8 là-dessus, ça va pas mal augmenter le débit. Ouais, et voilà, déjà ça devrait être bon. Ici, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque des transistors, des intégrés de circuit, de la soudure. Ça, à mon avis, c'est simplement parce que le... Oh, ça, je vais pas mettre là-dedans. C'est simplement parce que le temps... pour voilà, les demander une place, les renvoyer, les enlever. Les robots sont un peu surpassés, mais je pense que c'est tout simplement ça. Je pense pas que ça soit un vrai problème. Mais bon, on pourrait juste surveiller. Pourquoi est-ce que la pollution cleaning foam patati patata, pourquoi ça se fait pas? Ah, je pense savoir, c'est tout simplement parce que nos robots ne sont pas habitués à le porter. Je pense que c'est ça, on va aller voir. Alors c'est pas ça ici, c'est cela ici. Voilà. Ils sont pas habitués à demander des petits circuits comme ça, tout simplement. Hop, et des petits circuits comme ça. Voilà. Donc là maintenant ça devrait les apporter. Ils devraient être capables de faire la recherche. Alors, en tout cas pour l'autre partie à côté, celle-là. Voilà, ça aussi c'est bon. Je pense que ça devrait marcher. Voilà. Maintenant c'est parti. Ça va bien fonctionner, en plus j'avais rajouté des modules là-dessus, alors ça va être encore plus rapide puisqu'on peut voir, ça produit 75% plus de science avec le même nombre, même quantité de matériaux, alors ça c'est super génial, hop, voilà un petit peu plus, voilà. Donc ça va, j'avais raison, ça va se faire en 2 secondes, faut juste y demander les matériaux, voilà, ça c'est vrai, j'y avais pas pensé, j'ai pensé qu'ils allaient la porter tout seul, mais c'est pas le cas. Ici, ça fait quand même un très long parcours pour les robots pour apporter tous les matériaux. C'est peut-être pour ça que c'est un petit peu lent. Mais bon, ça a l'air d'être correct encore. On va les laisser pour l'instant en espérant que voilà, le problème se résolve tout seul. Pollution cleaning foam, ça c'est bien. Maintenant, voilà. Maintenant, on obtient... Ah, plus que je pensais même. On obtient les 1, 2... 3, 4 modules supplémentaires, voilà. Donc ça fait pas mal plus que je pensais. Donc on va en mettre ici en manqué. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Où est-ce qu'on en reste d'autres? Ici je pense tout simplement. Voilà. Alors se dire que là on en a 4 de plus déjà, c'est ça que je disais. 1, 2, 3, 4. Ben, en fait ça serait parfait je pense. Ah non c'est vrai, il en manque 2, donc voilà, il va falloir rajouter. Descendre encore un peu, mais théoriquement on peut descendre le mur autant qu'on veut dans cette direction, donc ça c'est pas grave. Celui-ci ça va être un peu bizarre, mais voilà, c'est pas un problème, on peut le replacer maintenant assez facilement. Alors Raspeed module, par contre là ça va causer un petit problème parce que le fait de justement faire que bon on va être rendu avec plusieurs modules, là, on en obtient ces deux différents ou deux façons différentes de les faire. Bon, on dirait que c'est deux façons différentes de les faire, ok. Puisque voilà, on obtient là vraiment des green modules qui réduisent la pollution et la consommation maximale sans rien toucher d'autre. Les rats modules qui augmentent la productivité, voilà, sans rien toucher d'autre. Et les god modules qui sont
fantastique, on va le dire. Voilà, productivité plus 10, pollution moins 20, vitesse plus 40, consommation moins 30. C'est que des bénéfices. Voilà, à se dire, ça c'est les meilleurs, mais ça devient complètement fou quand on commence à les utiliser trop. Donc peut-être que je vais les utiliser, peut-être pas, on verra. Mais voilà. Sinon, ça peut pas être recherché tout de suite parce qu'il faut encore avoir les modules effect combining. Voilà, et il nous faudra sûrement. Donc, ce que je disais, le problème que ça a causé, c'est que pour l'instant, si bon, on va aller voir avec l'auto, ça sera plus rapide. Mais pour l'instant, ce qu'on fait, c'est que on a quand on fait nos recherches, on a 10 places maximum dans le coffre. Pas bien de ma part, ça, c'est pas bien. De toute façon, on va voir s'ils en ont apporté. Mais voilà, si on regarde ici, c'est qu'on a juste 3 places qui restent et on pourra pas, avec 3 places seulement restantes, faire tout ça. Voilà, malheureusement. D'ailleurs, pourquoi ça apporte pas les deux? Est-ce que j'ai demandé deux fois la même chose? Ça serait bien, moi. Voilà, si j'ai demandé deux fois la même chose, voilà. Donc là, maintenant, ça devrait tout apporter. De ce côté, c'est déjà en train de le rechercher. Et là, on se fait éclater. Une tourelle était détruite. Ça, c'est encore correct. Et là, il nous manque. Tac, ici, un petit tuyau de métal. Est-ce que ça va le réparer ou non? Non, j'ai pas l'impression, c'est plutôt bizarre. Laser rifle shooting distance. Ok, on va faire ça. Hop. Et voilà. Ah, ça c'est bon. Je sais pas pourquoi ils ont pas voulu le réparer tout seul. Mais donc ça, voilà, ça c'est bon. Laser. Oh. Non, pourquoi j'ai recherché ça? Pourquoi j'ai recherché ça? J'ai d'autres recherches à faire, moi. Là. Donc voilà. Là maintenant, je peux faire cela. Alors, ça demande juste des. Ah non, ok, c'est bon. Ça demande des modules qu'on a déjà. Donc ça marche. Est-ce que je peux avoir les god modules? Non, il me faut encore. Pollution cleaning. Voilà. Au niveau 2. Et ensuite, qu'est-ce qui manquera d'autre pour le faire? Il manquera ça qu'on a déjà. Donc on pourra les faire. On pourra faire les god modules en tant que tel. Je sais pas si je vais vouloir faire cela. Je suppose que juste pour dire qu'on les a fait, je vais les faire aussi. Mais voilà, ça c'est tout. Silo missile, on y est presque rendu. On a juste à améliorer la vitesse des roquettes qu'on n'a pas touché encore. Mais sinon, on y est. Voilà, la recherche se fait super vite. Ce que je pourrais faire, ça serait me faire un plus gros centre de recherche comme ça. Ça serait pas une mauvaise idée, je pense. Tac. Voilà. Donc, tout simplement, on les place comme ça. On se souvient. Voilà. Et là, le truc qui manque, par contre, ça va être, bien entendu, ça va être qu'il nous faut des laboratoires modules là, voilà, avec des petits modules dans tous les sens. Donc, ok, bon, là, c'est en train de se faire plutôt bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça, hop, hop, voilà. Ici, je vais annuler cette demande, si je peux. God module, on va les faire. Voilà, j'avais dit, je vais annuler cette demande ici, puis je vais le recopier. Voilà. Et maintenant, je vais en placer un à côté. Et cela, je vais tout prendre. Et je vais pouvoir, voilà, le faire aussi. Alors ici, ce que je vais vouloir produire, ça va être les petits. Où est-ce qu'ils sont? Si je suis capable de les trouver. Module lab. Voilà. Voilà. Et maintenant, ça devrait être capable de me le faire. Bon, par contre, il faut faire des laboratoires aussi à côté. Donc, je veux dire, si tu veux faire des laboratoires, voilà, c'est parfait. Et maintenant, ça devrait être capable de produire un stack max. Ce qui est vraiment trop, on va se le dire, mais j'espère que le stack, c'est 16 max. Parce que 50, ça va faire assez cher. Pour faire ça, voilà, il va nous falloir une pollution cleaning niveau 4. Voilà, c'est pour ça que ça va être plus dur à faire. Mais on a déjà théoriquement les god modules qu'on peut faire. Donc ça c'est parfait, voilà. Est-ce qu'on peut commencer à les produire? Voilà. Voilà, on va commencer à produire nos petits laboratoires de ce côté-là. Et voilà. Ils vont commencer à apparaître, commencer à rechercher. Et on va booster, on va doubler la vitesse de recherche. Et ça sera super bien. Ouais, ça c'est en train de transférer. Je n'avais pas la barre comme les autres, je trouvais ça bizarre. Mais non, ça marche bien. Ok. Donc ça fait plaisir. Je vais aller voir, on est rendu à voir combien de modules, si c'est encore, si encore des problèmes ou pas. Mais ça a l'air d'aller, voilà. Ça veut dire que dans les modules, maintenant, on est rendu à voir les god modules.
qui étonnamment ne demande rien d'autre. Voilà, il demande juste des trucs qu'on a déjà, donc théoriquement on pourrait le faire. Bon, ça demande beaucoup de trucs, hein, on va se le dire, mais c'est des matériaux qu'on produit déjà, donc ça c'est pas vraiment un problème. Ici on a 17 modules, voilà, hop, ça c'est bon. Et on va pouvoir commencer, je pense, à en placer là-dedans, mais ça j'ai dit ça va être des niveaux 6. Ça aussi je pense que je vais mettre des niveaux 6, et voilà. Emplacement logistique du personnage, pourquoi pas l'augmenter encore, voilà, on va en profiter. Alors là on est rendu à avoir 63 niveau 6, ça c'est bien, on va les placer. Tac, voilà, ça sert à rien d'en mettre vraiment plus que des niveaux 6 à mon avis, parce qu'après tout, voilà, c'est 4 machines de chaque, c'est pas nécessaire d'en avoir 1 million. Ça c'est bon, de toute façon c'est ces trois qu'on utilise le plus, et je pense qu'on peut aller ici, voilà, et faire les God Modules niveau 1. Voilà, alors là ça va demander une tonne de trucs par contre, mais ça va arriver et on va commencer à les produire. Et ça c'est super fort parce que si on regarde, ça équivaut à un module de production niveau 2 sans les désavantages. Voilà, c'est avec d'autres avantages en fait. Donc ça qui est super bien avec. Et pour l'instant, voilà, pour l'instant c'est pas très très cher à faire. Voilà, pour l'instant c'est pas très très cher. Par contre, dès qu'on va monter dans les niveaux supérieurs, ça va commencer à être super cher. Et là, ça sera un problème. Pour l'instant, voilà, parfait. Et au final, le truc qui sera bizarre avec, c'est que les machines ne consommeront plus d'électricité avec. Voilà. Rendu à un certain point, on consommera même plus d'électricité en les utilisant. Ce qui donnera des résultats un petit peu bizarres. Voilà. Mais bon, c'est dans le futur. Pour l'instant, c'est encore bon. 15 tourelles sont entrées en combat. Ok, ça va. À mon avis, c'est surtout à cause de la pollution qu'on fait. La pollution qui est rendue immense. On pollue dans partout, partout, partout. Mais que voulez-vous? Je vous l'avais dit. Maintenant, on est passé à un stade différent. On fait juste tout détruire. Pour finir, je suis pas sûr que je veux faire cette technologie, elle est trop longue. Donc on va faire ça ici, voilà. Celle-là devrait être plutôt rapide. Voilà, on a plein de modules un peu partout en train de rechercher. Et ça ici, si on regarde, voilà, c'est 10 lab max. Par contre, c'est pas assez. C'est vraiment plus assez rendu à ce stade-là. Donc voilà, on booste ça encore. Parfait. Voilà. Ils vont emporter tous les petits modules. Tac, tac, tac. Et la recherche va commencer ici aussi. Et maintenant, ça va être vraiment plus rapide. Et ensuite, de toute façon, quand on aura fini de faire la grosse recherche pour les modules, on pourra tout simplement les démonter et passer à autre chose. Voilà, ça va être la place pour faire beaucoup de recherches ici. Et c'est très bien pour ça. Voilà, un petit peu pour les robots, mais voilà, les robots, on en a beaucoup ici. Bien espacé, bien ouvert, on pourra opérer un petit peu ce qu'il y a ici pour un petit peu là pour en faire plus, mais pour l'instant ça va, la place qu'on a ici est bonne. Ça ici ça produit assez, ici on a tout ce qu'il faut, voilà, toutes nos lignes au milieu sont bien pleines. Par contre, dans le futur on va voir le nitinol à apporter. C'était quoi l'autre matériau que je veux bientôt commencer à faire? On avait le nitinol, je sais même pas si je peux voir leur recette encore. Ça serait bien si je veux commencer à le faire. Par contre, on a le tungstène. J'ai aucune idée comment on le fait. Peut-être ici. Voilà. Ah, voilà. Et il me faut apparaître une autre page. Voilà. God module niveau 2. On peut au moins regarder ce que ça va nous donner. Alors, on va passer à consommation maximale moins 60%. Vitesse plus 80%, ce qui est énorme. Productivité plus 20%, ce qui équivaut à niveau 4 déjà. Et pollution moins 40%. Voilà. Bon. Presque rien. Par contre, ça commence à coûter assez cher. 7 circuits intégrés, 7 transistors, on s'en fout. 5 soudures, on s'en fout. 8 pollution cleaning, c'est quand même beaucoup. 12 effectivity, 4 productivity, 4 speed et un god module niveau 1, ce qui est logique, voilà. Au niveau 3, si on regarde, ça sera encore plus fou. Bon, par contre, le temps commence à être assez long pour en faire. Niveau 5, par exemple, ça va prendre 150 secondes pour en faire un. Par contre, on suppose qu'on mettra des God Modules niveau 4 à l'intérieur pour les faire. Donc, ça sera beaucoup plus rapide. Et là, on aura productivité plus 50%, ce qui équivaut à un niveau 10 de productivité. Voilà. Vitesse 200%, pollution moins 100%, consommation moins 150%. Donc, clair, on polluera plus.
on n'aura plus de consommation d'électricité, la vie sera parfaite. Voilà, ça sera aussi beau que ça. Mais ça va coûter super cher. Voilà, on peut voir, on n'est plus rendu à utiliser des petits modules, c'est des, on va utiliser niveau 3 à coût de 30, 45, 15, 15 pour les faire. Donc ça c'est plutôt immense et on va même utiliser des diamants, des topazes, voilà, des processeurs, etc., etc. Donc ça c'est plutôt cher. Mais voilà, ce que je voulais regarder. Pour faire les plaques de tungstène qu'on fera bientôt, bon, il faut du nickel, parfait, c'est pas un problème. Et pour faire du powder tungstène, il faut faire du tungstène oxyde et de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est pas un problème, mais le tungstène oxyde, ça se fait de la tungsténique acide qui se fait avec quoi? Voilà, là, ça commence à faire une longue chaîne quand même, juste pour faire un petit truc. Voilà, ici, ça se fait avec du glycérol. Non, c'est pas ça. Non, ça c'est de la nitroglycérine. Moi je veux la tungsténique acide. Ah voilà. Ça se fait avec du tungstène or, pas de problème. Et du hydrogène chloré. Ok, pas si pire que ça. Donc voilà, ça nous permettra de faire ça. Sinon, pour faire le copper tungstène plate, il faut des plaques de cuivre et des powder tungstène. Ok, bon, ça va en fait, c'est pas si compliqué. Et ensuite on aura peut-être le gunmetal à faire et le nitinol, c'est du nickel plate et des titanium plate. Je m'attendais vraiment à ce que ça soit plus dur que ça, honnêtement. C'est juste deux matériaux qu'on a déjà parfaits. Par contre, ça va demander énormément de nickel. Voilà, le nickel qu'on produit quelque part ici. Voilà, on le produit. Non, ça c'est l'Invar. Je sais pas exactement où on le produit alors. Mais voilà. C'est quand même plutôt cher. Ici, on va continuer à augmenter ça plus haut niveau. Voilà. Tu sais qu'on te fait tungstène nickel plutôt. De toute façon, on va juste vérifier, mais je pense que c'est de l'Envar. Voilà, mais ça prend du nickel et le nickel vient de là. Voilà, nickel or. Bon, on en a une bonne quantité de toute façon. Si on regarde, j'ai pas de coffre à porter par contre pour regarder. Voilà, ici, nickel or. Voilà, on a 150 000 en réserve, ça c'est pas un problème. Mais voilà, ça se fait avec de l'eau et de l'oxygène, donc ce qui fait qu'en plus ça va nous produire de l'hydrogène en surplus et ça sera parfait. Voilà. Donc ça c'est bon. Ici étonnamment il manque quelques petits trucs. Voilà, ce que je peux faire peut-être ici aussi pour économiser un petit peu. Voilà, cadeau. Et est-ce qu'on a quelque chose d'autre qui en demande? Voilà, j'en ai rajouté un petit peu partout déjà. Mais voilà, ça c'est mieux. Pollution cleaning module. Voilà, même s'il en faut, je sais pas combien il en faut pour cette recherche, mais il en faut 75. On le voit la barre monter, donc ça c'est plutôt bien, ça se fait assez vite. Et je pense que c'est tout. Voilà. Donc voilà, ça se fait plutôt vite. Ici, est-ce que ça se vide? Hydrogène chloride, non, c'est plutôt bon. Donc voilà, dans les prochains épisodes, il faudra commencer à faire ça. Pour l'instant, la production de modules, etc., etc. Bat son plein, voilà. On est en train vraiment de se concentrer là-dessus pour avoir les god modules un petit peu. Bon, on va pas les mettre au niveau 5. Au niveau 5, c'est juste vraiment n'importe quoi. Et ça défie toutes les lois de la physique. Voilà, la technologie pourra jamais aller comme ça. Voilà, c'est impossible. Mais c'est plutôt sympathique quand même. Alors, on va se diriger vers ici. Ici, voilà. Module niveau 2. Et on fait juste ça ici. Voilà. Et comme ça va apporter les god modules qui vont rentrer là-dedans et on va commencer à donner plein de petits morceaux plutôt intéressants. Voilà, qui coûtent super cher. Ici il faut rechercher ça encore de notre niveau. Voilà, ce qui va nous permettre d'avoir plus de trucs encore, un petit peu plus long encore, mais c'est pas très grave. Et ici voilà, ça arrive tranquillement. Il manque encore des pollution cleaning logic board. Ah oui, ça on n'en fait pas encore par contre, mais les speed logic board et tout ça on les fait déjà par contre. Donc, ils essayent pas de nous avoir, je sais qu'on les fait. Ici, je peux demander ça. Voilà. Donc ça c'est parti aussi. Quoique je les demande pas à la bonne place là. Hop, pas ça que je veux faire, pas très grave. Voilà, je les veux ici en fait. Voilà. Allez hop, hop, voilà. Ça c'est bon. Ça va commencer à les produire. Il va falloir pour les produire des niveaux 8, on avait dit donc. Hop. Hop, ici bon, on n'a pas encore, ça sert à rien d'essayer de les mettre là-dedans. Sinon, je pense pas qu'on en a d'autres. On a ceux-là, mais c'est tout. Les autres, on les a pas encore reçus. Et pour ceux-là, il n'y en a tout simplement pas. Donc ça, c'est bon. God module niveau 1. Ok. Alors, ça commence la production. Quoique c'est pas très très rapide. J'ai vraiment une
l'impression qu'on a un problème de transistor qui se transforme en problème d'intégrer de circuit. Il faudra aller voir. Voilà, on va aller voir ça avant la fin de l'épisode. Ici, ça continue à plutôt bien travailler, ça fait plaisir. Je fonce dans tout. Mais littéralement, tous les objets du jeu, j'ai dû les foncer dessus. Alors, allons vite voir. Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas? On va juste arrêter les policiers, elle devrait arrêter toute seule. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de transistor? Voilà, ils sont ici. Et pourtant, tout ça, c'est plein. On va se dire, c'est plein. Au pire, ce que je peux faire, c'est ça. Mais je comprends pas. Donc je pense pas que le problème vienne de là. Vraiment pas. Donc ça viendrait des intégrés de circuit qu'on produirait pas en assez grand nombre. Non, c'est complètement plein ici aussi. Donc à mon avis, c'est juste les robots qui sont surpassés. Ils sont tous disponibles. D'où vient le problème là? Factorio, explique-moi. Je voudrais bien comprendre sur le coup. Tout est correct, mais ça produit pas. Est-ce que c'est parce que la demande n'était pas encore faite ou quoi que ce soit hein? Ok, si. Voilà, ça commence à produire. Alors, ce que je pourrais faire peut-être, c'est juste, voilà, juste augmenter un petit peu les nombres, ça va peut-être aider. God module niveau 3, voilà, qu'on pourra utiliser à la place des productivity modules, ce qui serait peut-être bien. Voilà, ici. Alors, à mon avis, ce qui se passe, c'est que c'est trop loin. Donc en augmentant un petit peu le nombre, ça devrait aider. Voilà. En augmentant un peu le nombre, ça devrait aider à produire au début. Et ben, ça maintenant, ça produit. C'est parfait. Donc ça c'est bon. Il manque encore les Effectivity Logic Board. On les fait pas déjà ça? Je suis pas mal certain qu'on les fait déjà. Voilà, mais c'est la même chose, j'ai l'impression. Il manque... Non. Ah, je fais pas les bons trucs ici. Là, je fais ça et là, je fais pas le bon truc. Pourquoi je fais pas les bons trucs ici? Effectivité. Non, là, c'est pas le bon truc. Non, non, arrêtez de me faire ça. Méchante personne. Donc, voilà, ça, on fait ça là. Et ça, c'est pas ça que je veux. Pourquoi est-ce que vous faisiez ça à la base? Voilà. Donc ça, maintenant, ça va fonctionner. Parfait. Ok, bon, ça va pas fonctionner très longtemps parce que direct on manque de matériaux, mais on va être amis. Voilà, comme ça. Mais maintenant, ici, ça devrait marcher. On va commencer à faire ces modules ici dans deux petites secondes, ils vont arriver. Et donc, je vais pouvoir faire ici, quand ça sera terminé, je pourrais faire les modules niveau 3. Voilà. En tout cas, on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère que vous l'aurez apprécié comme toujours. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.